les Parisiens qui ont été tout proches du premier essai, Nicolas Souchon. Oui, avec la flèche d'Ogbou que vous voyez ici au ralenti. Regardez ce plaquage de Botitou, me semble-t-il, ou de Nakosi. En tout cas, Odogwu, regardez cette vitesse. Ouais, c'est Nakosi qui arrive de son aile opposée, le plaquage haut. Alors que Odogwu semblait aller vers l'essai, il avait déposé toute la défense castraise sur le premier ballon dans la moitié de terrain adverse de la part du Stade français. Carton jaune, Nicolas. Il est indéniable. Et avec carton jaune, a priori, évidemment, et cette pénalité, certainement. Donc ça touche le dessus de l'épaule, ensuite ça glisse dans la zone du cou. Moi déjà, sur plaquage, c'est sur carton jaune. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Le carton, c'est sûr. On écoute Ludovic Kerr. Thomas, parce qu'il peut y avoir effectivement essai de pénalité, parce que là, c'est clairement, il allait clairement laisser. Ok, par contre, ça tape le haut de l'épaule, le dessus de l'épaule. Ouais, tu vois, ça, exactement, là, on a bien un point de contact. Par contre, on est clairement, sans cette faute, pour moi, il y aurait clairement essai, donc je serais sur essai de pénalité, carton jaune. Voilà, carton jaune, essai de pénalité. Merci. Début en fanfare, premier ballon offensif pour les Parisiens. 11. Ça fait 7-0. Ça va être validé, ça va être confirmé par Ludovic Kerr tout de suite. Après le carton distribué à Filippo Nakosi, les castrés à 14 et menés 7-0. Essai de pénalité.